On démarre toujours avec un cri. Moi j'ai. Très bien, ça démarre. Moi, c'est parti, ça y est, t'as pas vu le cri? Ça crie de malade, ça. Mais vous êtes un cheval? On va jouer à la patate chaude de ouf! Non, c'est chaud. Jingle! Tu peux faire le rappel des règles, s'il te plaît, Philibert? On va sortir un thème, et le but du jeu, c'est de donner des mots en rapport avec ce thème. Bien sûr, il y a des règles. 5 secondes par personne pour répondre ou on est éliminé. 3 motifs d'élimination. Mauvaise réponse. Pas de réponse du tout, ou réponse déjà dite. Quand on est éliminé, on a toujours le droit de parler, parce que les morts peuvent parler. Alors, on joue pas, mais... Les morts participent au débat. Ok. 3 manches. Les deux gagnants de ces 3 manches, du coup, enfin, les deux qui ont plus de points... Il y a une finale et chacun se munira d'un joker qu'il choisira parmi les perdants. Okay. Gagnant de la manche, 2 points. Finaliste, 1 point. Est-ce qu'on est prêts, messieurs? Oui. Oh là là. J'ai un bruitage pour ça. Oui. Magnifique. Je tire le thème, le prochain joue directement. Ok, I am ready. Site ou appli has been. Copain d'avant. Skyblog. LinkedIn. Non, ça marche encore à fond. Non, mais ça n'a jamais été. Si, toujours ça, été has-been, non? Ça marche, ça marche, mec. Il y en a plein qui tapent. Par contre, Viadeo, ça c'est has-been. Viadeo, ça marche. MySpace. MSN. Dailymotion. Je crois que j'en avais un. Attends. 5. Vine. C'est pas faux ce que tu dis, mec. Copain d'avant. Déjà dit. 5. 4. RedTube. Mais c'est un truc has-been, de fou. C'est has-been, ça y est, ça a été... Non. Il a 2 points, j'ai 1 point. Il a 2 points, j'ai 1 point. Ah ouais, d'accord, donc ça remonte derrière. Bruitage. Raison valable de poser un lapin. C'est parti. T'es déjà en couple? Ok. J'ai le coronavirus. Ça marche. J'ai pas envie. Non. Si. C'est trop sincère. Bah si. Oui, c'est beau. Disons, on a pas dit qu'il fallait le dire. Ah si, c'est la raison valable à dire. Ah à la non, monsieur. La raison valable pour poser un lapin. Raison valable pour poser un lapin. Tu vois, on paie avec toi-même, quoi. J'ai pas envie. On est limitrophe. Hein. Il y a la grève. Il y a un accident voyageur sur le RERD. Ça marche. Un chien m'a croqué la jambe et du coup maintenant je dois me faire amputer ma jambe ce soir même. Je suis mitigé, je sais pas si j'ai envie de la donner ou pas. Ça m'a fait rire, donc j'ai envie de la donner, mais voilà. Okay. Le storytelling est bon. Accident sur la 86. Plus d'accident. Parce que là, ça recycle un peu. Oui, hein. c'est là, c'est de la touillette. Hein. Moi, je te sortirai sur celle-là. Mais non. Il est où ton rendez-vous? Non, mais on va parler chorégraphie un peu. Il a choisi. Ça marche pas. Choisis le roi. Qu'est-ce que tu racontes? Choisis le roi et de part et d'autre de la 86, monsieur. Choisis ta rond-point. Juste à droite, t'as le franc-prix. Tu vas tout droit, frère. Y'a pas d'accident. Tu vas à ton. Ça ne marche pas! On notera hein, les procédés douteux pour m'éliminer, encore une fois. Allez. Il est précis. 5, 4, 3. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un homme. C'est un date. Ce n'est pas du tout une raison valable. Et mais non, mais parce que t'as arnaqué, t'as menti, tu te sens un peu. Bah, après, t'es obligé d'être amoureux d'un sexe, mais plutôt d'une personne. Ouais, d'avoir une femme. Oh là là, la tolérance. Une élimination, merci. La finale. Je suis en gueule de bois. Ça marche. Marc, c'est ce qu'il fait tous les dimanches quand on a foot. Hein. Ça marche. Donc vraiment, ça marche. Je me suis rendu compte que j'étais trop intelligent pour toi. En fait, je t'ai menti, c'était pas ma bonne photo de profil. C'est chaud, quoi. Donc tu viens pas, t'as peur qu'elle te juge? Bah ouais, je l'ai dragué, mais en fait, c'était pas moi sur la photo. C'est d'accord, une photo de Marc. Ça marche. Je suis fan de Marc Lavoine. Je sais pas où j'étais là. Je veux bien qu'on balance des phrases au hasard, mais là, non. On essaie de les faire rentrer depuis tout à l'heure. Je suis fan de Marc. 2 points, 1 point, 2 points, 1 point. C'est serré, c'est au coude à coude. Pardon. C'est bizarre, c'était que j'appuie, j'ai l'impression que je lui fais mal au bol. Phrase à ne pas dire à son enfant. Oh non. Attention, c'est parti, Kemar. Je ne t'ai jamais aimé. Oh, c'est beau. C'est relou, la saison de capote. Vas-y, tire sur le ouvrage. Oh bâtard, ce que j'ai fait. Brice, tu mets un Malibu Coca ou un Whisky Coca? Ça marche. Tu aimes le zizi à papa? Non. J'ai tout fait pour pas non la, j'ai tout fait pour pas on la sortir. On a tout fait pour esquiver. Il y avait l'éléphant dans la pièce, on l'a tous esquivé. Je prends le poids, la responsabilité. Tu l'es rentré dans l'art. Hey, sa mère l'école, ça m'a dit. J'ai vu ça, celle-là. 5, 4, 3. Je suis pas sûr que je sois ton père, hein. Chérie, ce week-end, on te dépose chez Nordal Le Landais. Oh, c'est triste. Quel est ton avis sur le 11 septembre 2001? Pourquoi c'est à ne pas dire à son gosse? C'est toi qui... la responsabilité... J'avoue. Moi je pense que c'est du bullshit, moi je pense que ça s'est passé, il peut avoir un avis. C'est non, pas non, non, non. Justement, tu le sensibilises un peu à là-dessus, avoir un avis. Désolé... Désolé, tu es marrant. Ça ne rentre pas. C'est très marrant, mais ça n'a aucun sens. Ça rentre pas. Eh,
Père Noël, ça existe, hop. Hein. Ça marche. Père Noël, c'est bon en septembre. Allez, super. 5, 4, 3. Allez, vas-y, prends les clés de ma caisse et pas plus de 10 bouteilles. Tiens, elle parle des cheveux, j'ai même pas envie de la donner celle-là, en vrai. Non, non, ça va pas, ça va pas. Oh, j'allais être sur la caisse et je me suis dit, il peut avoir 18 ans. Désolé, Audace. Et là, j'ai dit, ça il faut l'alcool, l'alcool, et j'ai perdu pied. De toute façon, t'es d'accord pour que ça saute? J'ai perdu pied, j'ai perdu pied. Oh, t'es chiant de vomir partout. Yes. Meilleure réponse du monde. Allez, c'est bon. Ça, sur Twitch, j'ai accepté, tu vois. Je l'emporte. Je l'emporte haut la main. Eh, vas-y, t'as vomi, non? C'est J'ai aucune réponse. Hey. Best line ça ever. Ça fait combien sur les totaux? Moi, j'avais 3. Ça fait 3, là. Oh, j'avais 2. Donc t'as 3, et c'est, on est sur une finale, ouais. Les gars. Finale. Je vais prendre mon acolyte, qu'est-ce que je te dise. Tu prends la cum. Est-ce que je peux avoir un bruitage un petit peu fantaisiste? Ça peut se faire. Mmh. Il peut avoir ce bout-là. T'es tellement fantaisiste. Attention, les gars, c'est la finale. Celui qui commence, c'est celui qui est le moins con. Moi, commence. Adage, expression, phrase, toute faite. Vous pouvez invoquer votre joker quand vous le souhaitez. Qui s'y frotte, s'y pique. Ça marche. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Top. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Boum. Oh, j'ai les bonbons qui collent au paquet. Ah, c'est beau. C'est un adage, ça? Bien sûr que c'est un adage. T'en vas à la cruche qu'à la fin, elle se brise. On est sur des trucs un petit peu techos, hein. Oh, mais des vieux aussi, je connais pas ça. Ouais, mais il a 70 ans. Quel est ton avis sur le 11 septembre? Attrape en cacher un autre. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Boum. Il s'est froid de ses piques. Je l'ai déjà dit! Cher le Real! Cher! Non! Alors? Oh, non, putain. Je t'ai dit, c'est quoi dans l'oreille, tu te répètes pas? Eh bien, c'est une défaite, une cruelle défaite. T'as genre une mémoire vive de genre 20 secondes quoi. Tu sais c'est quoi le problème? C'est que t'écoutes pas. Pas à l'écoute. C'est pas à l'écoute. T'es dans ta bulle. T'es dans ta bulle comme dirait Diams. Sors de ta bulle là, je prie. Y'a un gage à la fin, c'est que vous devez vous mettre à poil. Avec le zizi? Non, là, le gage c'est qu'on doit chacun faire une phrase au gagnant qui fait un peu son éloge. Un compliment sincère. Sincère. Au gagnant. Sincère. Un truc un peu yeux dans les yeux. Premier baiser. Bah moi, je pense que t'es dans... T'as un duo exceptionnel. Non, c'est pas un éloge à lui. T'es un duo exceptionnel, c'est-à-dire que tu t'éloges toi, en fait. D'accord, ça va. Mais qui s'éloge lui, il arrive pas à dire un compliment à son pote. Je pense pas, que... Pas moi, je pense que... T'es un des arabes qui compte aujourd'hui. Un arabe sûr de la société. T'es un arabe sourd. T'es un des arabes qui compte dans la société. T'es un des arabes qui compte. Pour moi, t'as un peu réinventé la plateforme, quoi. Je parle de YouTube. Et je pense qu'il y aura un avant, un après aussi sur scène. Et j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de défaut durant les 2-3 ans que je te suis, quoi. C'est vrai. Incroyable. Putain. Nique ta mère, en clair. C'est une obsession que j'ai chez les gens et je trouve que tu as de belles dents blanches. Ah. C'est peut-être celui qui me fait le plus plaisir. Voilà. Merci messieurs, allez regarde, allez sur la chaîne de ces messieurs, c'est sans doute les meilleurs, c'est les meilleurs. Sans doute. C'est sans doute les meilleurs de cette saison. La saison. N'hésitez pas à nous dire ce que vous auriez mis à notre place dans ces petits items. Et le mot de la fin? Cher le Real, cher. Non, cher, non, le cher, mot de la fin. Cher, mais qui a cher, c'est moi qui ai gagné. Le mot de la fin. Le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé. Merci à tous. Amour, au plaisir. Bye, bang. Alors elle t'a donné chaud, cette patate chaude? Eh ben, écris-nous ce que tu aurais mis en commentaire. Bien sûr, et puis t'oublie pas de surtout t'abonner à la chaîne. Et puis tu lâches un pouce. Et surtout, tu vas checker notre série. Des fables d'Oda et Dako. Allez! 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 Il y a le lien, là, vas-y!